Un banger, ça veut dire quoi? Ça veut dire un truc culte? C'est un truc génial sorti de nulle part. D'accord, ok. Alors on va découvrir le jeu ensemble. On m'a dit que c'était un jeu survival horror. Oh, regardez la console Sega. C'est la Master System. Premier Borderlands aussi, je sors du film dégueulasse. Ah oui, d'accord. J'ai demandé aux abos, j'aimerais bien faire des jeux d'horreur. Et on m'a conseillé du coup Daymar. Alors je sais toujours pas ce qui est fou et où on est. Hein. Alors il y a des chiottes, ok, super. Elle est de la Navy. Voilà, c'est le cadre posé. À côté, Ellen Ripley, la fille. Bon, bah, allons retrouver Radek et Foster. Le jeu est beau, hein. Le jeu est beau, y a pas à chier. Elle peut pas courir. C'est chiant. C'est frustrant, direct. C'est frustrant à crever. Stranger Things, de voir la suite. Ce sera sympathique. J'espère qu'on peut courir à un moment donné si je pète un câble. Bon, alors, comment... c'est chiant. Comment on court? Comment que c'est qu'on court, bordel? Ah bah, c'est ce que je fais pourtant, hein. Oh putain, qu'est-ce que c'est casse-couille. Bon, je veux bien qu'il y ait des moments où tu marches, quoi, tu vois, mais quand ça dure trop longtemps, c'est chiant. Surtout au tout début du jeu, quoi. Ok, super, message en armurerie. On récupère le MPG machin. Là, ça, Fallout était cool. Hein. Chier Borderlands. Non, non, mais tout le monde le dit, hein, que le film Borderlands, c'est de la merde. Hein. Putain, je suis rien au jeu. De toute façon, moi, tant qu'il faut pas shooter dans des trucs... Bon, c'est chiant, en fait. Allez, vous savez quoi? Rien à foutre. C'est trop long. Je veux tirer sur des trucs. Voilà, maintenant elle court. Ouais, putain, la vache. Ah, la démarche. Ah, ça fait... Ouais, ah... Ah, je sais pas trop quoi en penser, là. Oh, la démarche de merde. C'est pas ouf, hein. On va faire avec. C'est un peu rigide. C'est hyper beau, hein, c'est ça qui est con, hein. Je trouve pas la démarche très fluide. J'ai envie de tout zapper, j'ai envie de tirer sur des trucs. Ouais, la démarche du perso à Star Wars. Ouais, ouais, je trouve ça très bizarre, en fait, quoi. Après, c'est un live découverte, hein. C'est pas dit que je vais continuer le jeu jusqu'au bout, hein. Mais ouais, la démarche, putain de merde, ça fait un peu dessin animé, là. Ça fait un peu chelou, hein. Je vais pas vous mentir. Little Nightmares 2, faites-le. C'est juste magnifique comme jeu, en fait. On dirait qu'il court avec des prothèses mal adaptées. Hein. C'est un peu ça. Ah, ben là, ouais, vous pouvez balancer les vannes sur le truc, parce que, ouais. Je viens d'entendre un message de je sais pas qui. Moi, je veux voir les monstres. Ouvrir l'inventaire. Je sais même pas c'est quoi ce bouton. Pourquoi Daymar 94, quoi. Alors, il faut mettre la clé. On peut pas. Ah, super. Vraiment la bonne blague. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Pourquoi ils ont besoin de faire ça au tout début du jeu? Putain, c'est sombre, hein, le bordel. Et même au niveau, en fait, du contraste, c'est très bizarre, le filtre graphique vert, en fait. Hein. Putain, ça te nique les yeux. Je vais regarder si je peux pas changer ça, parce que... Putain, ça nique les yeux. Hein. J'ai pas encore tiré avec le flingue. Hein, ah, au niveau... ça a l'air bien. Il doit y avoir une carte pour rebooter le système. Pour l'instant, je suis dubitatif, en fait, sur le jeu. Je trouve pas ça foufou. Hein. Bon, alors là, la fameuse... Oui, bah, faut une carte à la con. Mais elle est où, ta carte? Je vais quand même pas devoir regarder une vidéo à la con pour savoir où elle est, merde. On voit rien, c'est un truc de fou. C'est tellement mal réglé, le contraste. On voit pas plus les yeux. Ah, j'ai les yeux éclatés aussi, quoi. Ah, il y a un casier. Attention, suspense. Ils peuvent pas faire ça, c'est pas possible. Non. Oh, le jeu Enigma à la con. Oh bordel, je m'en fous, je regarde une solution. Rien à foutre. Et oui, j'ai pas honte. 1000 combinaisons testées pour le cadenas, ouais, super. Qui c'est qui m'a conseillé ce jeu sur le Discord que je l'engueule, en fait, quoi. Je me garde la petite vidéo sous le coude. C'est 215, putain, c'est génial ce qu'on fait dans ce jeu pour le début. Hein. Putain. J'ai un flingue de ouf, je crève d'envie de tirer avec. Et ce que je fais, je me fais chier, en fait, à trouver déjà des trucs à la con, là. Oh, mais... Oh, bah dis donc. 215. La disquette de boot. Ne serait-ce pas la disquette dont on aurait besoin pour activer le truc qu'on a vu tout à l'heure? J'ai trouvé la clé de l'énigme. Ah, et oui, ça marche. Ok. C'est chiant d'attendre. Là, elle a brisé le quatrième mur. Hein. Troglodyte, elle a dit. On a bien entendu, elle a dit troglodytes. Ou un truc comme ça, non? C'est pas ça la traduction là? Elle a dit abruti à la place, je crois, en français, mais troglodyte. C'est une insulte? C'est génial! Si on peut traiter quelqu'un de troglodyte. Enfin, je crois. Attendez, je regarde sur Google. Ah, c'est un petit oiseau. Ah, qualifié un être vivant habitant dans une caverne ou une demeure creusée dans la roche. C'est les hommes préhistoriques, en gros, quoi. Tu traites quelqu'un d'homme de Cro-Magnon, quoi. Le mec à qui tu diras ça, en plus, il va pas capter, quoi. Homme des cavernes. Oh, c'est une bonne réplique à balancer à tes potes, ça. Moi, je le suis totalement. Moi, je vis dans une grotte, déjà. J'y suis dans ma glotte. Bon, ça y est, me revoilà emmerdé, quoi. Encore obligé de trouver un truc à la con. Il va me gonfler ce jeu. J'aurais dû prendre un call-off. Hein.
C'est toi le débugger. Enfoiré. On voit bien la date, hein. 11 mars 1994. Hein. C'est du réel, hein. Alors attendez, faut que je refais réfléchir avec mon petit cerveau. Oh, ce qu'il en reste. On peut activer le local d'entretien. Messe des officiers. On a presque tout activé, c'est bon. Ouais. Putain, cette énigme était fort complexe. 94, mon gars. J'avais... J'avais 11 ans. Ouais, t'étais déjà vieux. C'est vrai, j'ai encore mes cheveux. Ouais, effectivement, merci Yalrat. J'en ai plein. Mais par contre, je ferme ma gueule et je prie. Hein, parce que franchement, je sens que je les garderai le plus longtemps possible. Il a à peu près presque le même âge que moi, Yalrat. 2 ans de moins. T'as pas franchi le palier encore, mais tu t'en rapproches. Moins que Earth, c'est lui le crouton du coup. Bah oui, un petit peu. Et j'ai mes chicots. Bon, après, tout a été refait. Mais bon... Les survivors. C'est trop bien d'être vieux, moi je dis. Je les ai aussi dans une boîte à côté de mon lit. T'attends que la petite souris passe. C'est vraiment un jeu de merde. Hein. Moi je vous le dis direct, en fait, c'est un gros jeu de merde. Je me fais chier. Il est infâme ce jeu à la con. Je m'emmerde en fait là. J'ai pas croisé un seul monstre. Tout ce que j'ai fait, c'est récupérer des cartes de merde. Là, on est à une demi-heure de stream. On a toujours pas buté quelque chose. Hein. Câble bypass. Jouer à des vrais jeux. Donc là, elle a obtenu un quoi? Mais non. Mais c'est quoi cette merde? Mais non. Mais je sais pas quoi faire, là. Oh, ça va me gonfler de ouf. Le J. Ça y est, on a le J. Maintenant, il faut le remonter. Voilà. Putain, j'ai rien compris. T'es pas professeur Letton. Ok, bon, allez, on est parti. Hein, on s'en fout. Vous vous moquez pas, hein. Moi j'ai réussi hein, je peux regarder de vidéo en plus pour nous. Je suis content, putain si ça c'est le mode facile, qu'est-ce que je m'en chie après. Eh ben une belle victoire pour ce mec. Voilà les monstres, en plus t'as plus de balles. Et t'as plus de balles. Ah oui. Bien joué. Si, j'ai encore mon fusil. Ça. Et ça déconne pas. Ça t'es pas dans la dentelle. Oh, il y a un laser. On se fait découper ou? Bah, super, bon bah je m'emmerde toujours. Hein. Je tiens à signaler que je me fais toujours chier dans ce jeu. Hein. Ah yeah, bah enfin des signes de trucs hostiles là. On va pouvoir buter quelque chose quoi. Radek ça me rappelle Rami Malek en fait, je sais pas pourquoi. Celui qui a fait Freddie Mercury, le film avec Queen. Là. Merde, j'ai peur. C'est quand qu'on bute des monstres? Utilisez pour fouiller le secteur, allons-y. Ouais, fouillons le secteur, hein. Franchement, y'a rien de plus palpitant à faire dans ce jeu. Eh non, mais je vais pas passer au détecteur chaque mètre carré du truc, hein, c'est pas possible. Hein. Ah, je vais voir. Hein. Ah, on va le fouiller, c'est quoi. Radek, are you receiving me? Oh, fuck. Bien gros. C'est quoi cette merde? Ça ressemble à rien. D'accord, ok, c'est un truc électrique. C'est une espèce de minéral bizarre là. Elle est grosse la lampe torche. Attends, je sais pas. Fais voir, attends, je peux pas la voir. Le problème, attends. Mais non, on te tourne pas. On veut voir la lampe torche, bordel, quoi. Bah, la lampe torche a l'air d'être une lampe torche magique, hein. Ça doit... Parce que là, moi, je vois pas de lampe torche apparaître, hein. Très clairement, hein. Et la caméra tourne subtilement, automatiquement, dès que tu la déclenches. Putain, c'est une trouvaille de gameplay, quoi. Salut Steven, ça va, quoi. Putain, ils sont pas cons, hein, pour cacher les méfaits techniques. Alors, est-ce qu'il faut scanner ce... Oh putain, j'ai presque plus de balles. Ah, on va activer un ordinateur. Utilisez le scanner pour fouiller le secteur. Je m'emmerde, en fait, dans ce jeu à la con. Bon, ce jeu, c'est depuis 2 ans que je l'ai essayé. Ah, vu ton smiley, t'avais pas l'air convaincu. Ok. Eh ben, je suis toujours pas convaincu non plus. Hein. Ça met 10 fois trop de tension, c'est le bordel. Hein. Oui, on voit qu'il y a des cadavres par terre, mais moi, je voudrais bien tirer sur quelque chose. Merde, quoi. Ah yeah, je peux tuer quelque chose. Il ressemble au boss final de Smash Bros. C'est bon, on ne peut pas tout ça toucher. Oh là, j'ai peur. Hein. Je me chie dessus. Moi qui ai fait des dooms et tout. Ouais, oh, j'ai trop peur de toi. Ouais. Bon, déjà, il y a du sang. Première bonne chose. Ah. Vous avez vu, c'est une petite lumière. Elle passe de cadavre en cadavre pour les ressusciter. Elle est maligne. C'est une entité électrique. Claude François. Il est revenu. Je vais pas chanter Alexandre et Alexandra, c'est mort. Hein. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Barracuda. Lundi au soleil. Pas faire de blind test avec toi.
Bah, surtout ce que les chansons françaises faut éviter, je te jure, quoi. Joe Dassin, Jacques Brel, tout le bordel, c'est pas mon rayon. Pour moi, c'est tous les mêmes, en fait. Merde. Aïe, aïe, aïe. Pas cool. Bon, on va prendre le fusil. Ah, c'est de la merde. Vu le métal, on est d'accord. On est totalement d'accord. Le métal, c'est la vie. Metal Forever. Megadeth. Rami Malek, où es-tu? Le signal de Rami Malek est actif, mais il n'a pas l'air. Ah. Ah, putain. Mais par contre, c'est à chier. Mais les attaques sont à chier. Ouh, ça, nice. Ça, c'était dans Metal Gear Solid 1. Bon, on va aller chercher Freddie Mercury, du coup. Si vous voyez un mec à moustache, c'est un deck. Putain, la démarche de merde, quoi. Est-ce qu'on tire dessus? Ça sert à rien. Je m'emmerde. Franchement, je crois pas que je le finirai, ce jeu, il me fait chier. Je vous le dis direct, je suis pas convaincu, hein. Ah la vache, je suis tellement pas convaincu, c'est tellement rigide, quoi. Si ça continue de me faire des couloirs à la con avec trois pièces ou... Même l'ambiance est pas ouf, quoi. Le jeu est méga beau, hein. Y a pas de souci, hein, mais va falloir qu'il se bouge le cul, quoi. J'ai hâte de... Oh, d'accord. Quelqu'un qui a eu des petits soucis d'explosion interne. Une implosion organique, qu'on appelle ça. C'est comme... comment ça s'appelle, là, les gens qui crament tout seuls de l'intérieur, là, les combustions spontanées. Bah là, c'est pareil, mais sans le feu. C'est une explosion spontanée. C'est quand t'as trop mangé. Mais on voit rien! C'est chiant! Oh putain, c'est chiant! Mais ta gueule, toi! Ça, c'est une astuce pour faire disparaître les cadavres, quoi. Pour que techniquement, en fait, ce soit moins lourd. Une occlusion intestinale. Oui. Alors ça, c'est ce qui entraîne l'explosion interne. Ouvre les yeux, je te dis. J'y arrive pas. J'arrive pas. Comment tu veux ouvrir les yeux, tu sais, quand il fait aussi sombre là-dedans, bordel, quoi. Je vous jure, ça me pète les yeux, c'est un truc de fou. Je fais ma musculation en même temps. Je l'ai fait ce matin, mon ministre. Ça y est, là, tu vas devenir un colosse. Ministrel, modérez vos propos. Est-ce que tu vas devenir un titan? Si en plus t'écoutes du métal, c'est classe. Ah, tu viens de te lever. Même pas. Alors, promis juré, je viens pas de me lever. Je vous promets que c'est pas... Pour une fois, je fais vraiment mes nuits. Comme les bébés, t'sais. Je me suis recalé. Je dors la nuit et tout. J'ai un rythme de vie sans... Oui, on va dire normal au niveau du lever et du coucher. Oui, je suis propre. Je me lave tout seul. Ouais, si, si, ouais. Moi, j'ai fait plein d'efforts. Tous les jours. Ça fait combien, là? Déjà 4 et demi en une heure. C'est exactement ça. On a... Tu sais, on a 20 bastos. On a tiré 20 bastos pour buter 3, 4 et demi à la con. On se fait chier. C'est incroyable. Après chaque live, bien évidemment, je refais la miniature du live YouTube. Je vais mettre... On s'est fait chier pendant une heure. Ça va être ça, le titre de la miniature, je vous le dis direct. Alors, n'en parlons pas de l'animation de quand tu te fais choper. C'est pourri. Ah, on va mourir pour la première fois. Putain, c'est à chier. Et quand tu sors de Callisto Protocol et de Dead Space, c'est pas ouf, hein. Ça a changé, Doom, dis donc. Pour faire un bon screenshot, comment on fait? Non, de toute façon, la caméra est faite pour pas que ce soit trop sexy, je pense. Quoi. Faudrait se mettre à bien à la lumière du jour. Faire un truc vraiment, tu vois, avec, la cambrure. Non, mais non, que dalle, l'élancement de ce corps féminin, mais non, on peut pas faire grand-chose, ça va pas être très vendeur. Ah, c'est des... Bon, attendez, je vais me faire un café parce que je m'emmerde, en fait. On pourrit son chat, ou quoi? Insultez-moi, spammez-moi, faites tout ce que vous voulez. Ça me fera des interactions sociales. Est-ce qu'on le fait pas déjà? Bah, un petit peu, quand même. Bon, quand est-ce que ça démarre? Oh, bien joué! Elle était bien, celle-là. J'approuve. C'est ça, en fait, le jeu, il s'appelle comme ça parce que, voilà, t'as envie de lui dire Daymar. Oh, mon Dieu, c'est horrible, c'est... Horrible ce jeu à la con. Là, le jeu, vous le voyez là actuellement.
Il va à la poubelle direct après ce stream, hein, je vous jure. Hein, parce qu'il faut que j'économise de la place sur mon disque dur. Bah. Salut Doc News, alias Benjamin Talula. Alias, je mets des miniatures avec une fille sexy souvent et j'ai eu des emmerdes un jour avec ça. Si je les achète des fois. Arrête. Ça m'arrive de les acheter. Je te promets. Et le pire, c'est que des fois où je les ai achetés, ça tournait pas sur mon PC. C'est de la merde. Alors comment on fait pour calmer la boule électrique qui tue là? Mais non, mais ça va partir la poubelle ce jeu, moi je vous le dis direct. Hein. Profitez-en, là c'est la dernière fois que vous le voyez sur ma chaîne. Hein. Mais non, mais crève quoi. Pourquoi tu veux pas te décharger? Ah oui, utilisez la trousse. Mais bref, à plus. Rami Malek. Bah moi j'ai une barbe de merde. Quand je me laisse pousser la barbe, je ressemble à rien. Parce que ma barbe est disparate. Donc je peux pas en faire quelque chose de cohérent en fait de ma barbe. J'ai jamais pu en vrai, hein. J'ai essayé. Je me suis dit hein, à un moment donné peut-être que ça m'allait, mais en fait non. Quand tu commences à te filmer avec une caméra, c'est complètement différent du miroir et tu te dis oh putain la gueule. Là tu fais ah ouais merde. Parce que là tu vois ta gueule en 3D sous tous les angles. Et là tu fais ah ouais c'est pas trop comme ça je l'aurais fait. Mais même ça on fait un bâtard. Oui, j'ai pas une tête cohérente, c'est vrai. T'as qu'à la dessiner, t'as mort. Tu fous un coup de marqueur, comme dans Cyberpunk. Je suis rien au jeu à cause de vos conneries. Hein. Ça a l'air dramatique hein, ce qui se passe sous nos yeux. Bah non, je pas de moustache jamais, non. J'ai déjà essayé, hein, ça va. C'est trop années 80. Moi, c'est pareil, ma barbe pousse en velcro, c'est pas crédible. Et je peux pas avoir les cheveux longs non plus. Donc je peux pas faire vraiment métalleux. En gros, je serais rejeté de toutes les cultures, quoi qu'il arrive. Donc je garde les cheveux en pétard, et la peau de bébé, mais elle va pas tenir longtemps, je pense, avec la vieille.